Salut les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve pour jouer un petit deck Golem Elex. Donc un deck plutôt défensif à jouer sur de la contre-attaque que j'ai déjà un petit peu testé. Mais sans plus, on va voir ce que ça donne. Là je suis à 1600 d'élo. On va se faire 4-5 games. On va essayer de monter un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Donc là, Molos, j'espère juste qu'il a pas de foudre ou même boule de feu flèche hein. Bon, boule de feu flèche après ça lui coûterait relativement cher. On va en mettre le boulis pour tanker ça tranquillement. On va quand même une petite boule de feu et tornade. On va défendre à bloc, pas trop prendre de coups en fois 1. De toute façon on a le counter push, il va falloir qu'il redéfende. Ok, donc je pense pas qu'il ait trop de gros sorts du coup. Donc il a déjà un deck qui coûte assez cher. Des flèches, je pense qu'il doit avoir des flèches. Ok, donc là il va falloir faire attention. Je sais pas si je dois push ou pas, je suis en retard d'élixir. On va essayer de retempo tranquillement avec le chevalier. On va tout refaire exactement dans le même ordre que tout à l'heure. Pas trop push là. Dans tous les cas il va être mieux que moi. Là, je pense qu'on va juste faire ça cette fois-ci. Hop. Ok, je pense que je vais l'envoyer sur la tour du roi. Et comme ça je vais pouvoir counter push avec le golem AX. On va sûrement mettre la horde de gargouille. Ah ok, il y a des barbares. Bon. C'est bien, on va bien la défendre. Ok, on va rentrer quelques points dommages. Ok, il a des flèches. Ok, on est passé devant là. On va remettre l'électro-dragon. On va faire ça comme ça. Pas qu'il y a des coups de ballon. Ok, ça passe. Ok, c'est le moment de push. Là, je vais faire ça pour vite cycler sur ma boule de feu. Ça donne qu'elle arrive assez vite. Ok, on a réussi à garder le bouliste en vie. Ça, c'est une très très bonne opération. Ok, bon, bah c'est win. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va enchaîner tout de suite sur la game d'après. Alors, on joue contre Sammy Junior qui joue peut-être un Molos par rapport à ses badges. On va bien voir ce qu'il fume. De toute façon, là, le chevalier vaut, c'est dans tous les decks. Hop. On va aller la chercher tout de suite, comme ça c'est fait. On va en prendre quelques dommages sur la tour. Effectivement. Il joue Molos. Donc j'ai été très très con, je l'ai dit. Je sais pas pourquoi j'ai sorti par contre le dragon électro. Ouais. Je pense que je vais attendre pour essayer d'aller punir. Enfin d'aller prendre tout de suite le dragon de l'enfer. Ce serait plutôt pas mal qu'il tombe assez rapidement. Non, ne tue pas s'il te plaît. Hop. Et non, je l'ai pas gardé malheureusement. Tiens, on va risquer sur l'électro-dragon. Bon, début de game catastrophique là. Je pense que je vais pas avoir le choix, on va laisser tomber la tour sur le prochain push. Et on va essayer. Okay. On va partir comme ça, bouler sur moi.
Sinon, faut que je parte à l'opposé, parce qu'il fait tomber la tour, il pourra défendre directement dans mon camp. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Je vais tanker avec ça. Okay, on va essayer de faire un maximum de badness. Voilà, avec ce petit dragon. Hop. Hop, on va partir là comme ça. Parfait. Ah, il aura bien bien terminé sa boule de feu. C'est le petit problème sur un match-up comme ça, c'est que les boules de feu flèche. Il est très très bien en match-up. On va essayer de repartir au fond. J'ai raté la boule de feu. C'est génial. Avec le départ pourri qu'on a fait, c'était malheureusement trop compliqué pour aller chercher la win. Bon, deux games de Molos. Ok, on va tomber sur un petit mortier. C'est de gérer tout de suite avec les dragons squelettes. Ok, c'est géré. C'est juste l'électro-dragon. Hein. Pas bien fou. Je sais pas si j'aurais dû laisser connecter. Ok, il décide de pas activer la tour du roi. C'est tant mieux pour nous en vrai. Ok, donc il nous joue un cochon. Ok, je sais pas trop ce qu'il joue, j'ai peur de push là. Laisse connecter. Moi je pense que je vais attendre, hein. Je vais pas jouer tout de suite. Ok, à la limite je peux aller cycler ça. Ah, je sais vraiment pas quoi jouer là. Écoutez, on va attendre un petit peu, on va voir ce qui se passe. Donc il avait cochon, prince ténébreux, princesse, qu'est-ce que ça peut être? Ok, on va les cycler tout de suite. Ok, mais il a juste arrêté de jouer. Bon, ben parfait, ça nous fait une petite victoire facile. On crache pas dessus. Alors on va essayer de faire ça assez rapidement, comme ça on part sur la prochaine game. Ok, bon. Bon, il a abandonné. Malheureusement, c'est pas la victoire la plus méritée. Sûrement un petit problème de connexion. Mais du coup, on est en 2 sur 3. C'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de continuer. Alors hop, ok, mineur. Donc ça peut être le deck de Rémi. On va essayer de ne pas se faire avoir par l'archer magique au cas où. Voilà, ça nous fait cycler. Ok, donc c'est pas le deck de Rémi. Attention quand même, potentiellement un petit archer magique quand même. Ok, non, mousquetaire.
Normalement, avec la mousquetaire, il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a pas d'archer magique avec la mousquetaire. Bien sûr, normalement, on va quand même garder la boule de feu en main au cas où. D'accord, donc c'est du ballon. Je pense qu'on va aller la boule de feu ça tout de suite. Comme ça, on prend pas trop de risques en début de game. Ok, boule de neige. Ok, donc il a un deck cycle, ballon cycle. Avec le mineur. Ok, donc il va falloir bien faire attention de garder les anti-aériens. Hop, là, il nous a donné le mineur pour la tour de roi, c'est parfait. Ok, on va repartir tout de suite avec le bouliste au fond. C'est le problème en faisant ça, c'est que bah, il peut push assez rapidement quoi. Voilà comme là. Hop, bon, il a sûrement boule de neige. S'il le fait pas, bah, tant mieux pour nous. Hein. Okay. Bon, il va connecter les dégâts de mort, mais ça va. On va prendre tranquillement. Là je pense que je peux aller push. Ok, donc c'est une tour à bombe qu'il y a dedans. Bon, on va pas forcer plus que ça. On va déjà lui donner beaucoup d'élex là, malheureusement. Voilà, on va essayer de partir comme ça. Voilà. J'ai attendu justement ça. Toujours pareil. On essaie de prendre un minimum de risques. Je vais chercher la monnaie assez vite. Ok, je vais quand même prendre quelques coups. Un coup de monnaie. Ça va, c'est raisonnable. Bon là du coup je sais pas du tout comment je vais passer. Hein. Je pense qu'il va falloir que je joue pas mal autour du bouliste en vrai. Là pour l'instant, tant que je suis pas vraiment dans un très bon cycle, je tempo. Donc là comme il faut que je joue autour du bouliste, je vais essayer de chercher un mousquetaire assez rapidement. On va recycler encore le bouliste. Recycler de l'autre côté. Hop. Ok, donc cette fois-ci on va défendre avec la tornade. On va pas utiliser la boule de feu. Là, on va aller chercher la mine avec la boule de feu. D'ici à protéger pour aller finir un bullet, c'est pas très très grave en soi. Ok, là c'est le moment de partir en bullet comme ça. On va préparer la boule d'œuf. Ok, ok, dragon squelette qui tape. On va pas forcer plus que ça, du coup, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire. Et toujours les dragons squelettes au cas où. Là, on va esquiver ça très très vite. Hop. Ok, on va prendre la valise ici. Hop. On va essayer de prendre un minimum de coups de lumière. On va repartir bouliste devant. Ok, on prend encore quelques coups. C'est bien, là, ça va l'obliger à défendre. Allez, encore un coup, parfait. Ok, genre, si on prend juste les dégâts de mort, c'est très très bien. Okay, on va speed ça. Parfait. On va faire attention à l'ennemi. Tac. Et boule d'œuf, ok, c'est gagné. Ouh, bah c'était assez compliqué, il a fallu rester bien concentré. Hein. Bon, on est en 3 sur 4, c'est pas mal, on est en plus 2. Allez, je pense qu'on va en faire une dernière et on s'arrêtera là. Hop, une petite dernière pour la route.
Alors, sur qui on tombe, du coup, on va tomber sur David X Gamer CR. Alors, qu'est-ce qui nous joue David? On va voir ça tout de suite. Allez. Je peux pas jouer tout de suite. Moi, j'ai quand même une belle main défensive à la limite. Voilà, je vais pouvoir split ça. Ok, donc gang, potentiellement lockbait. Je peux pas trop jouer là, j'ai vraiment mes cartes défensives dans les mains. Ok, on va mettre ça comme ça. Ça va faire cher, mais bon, moi, sûr pas prendre de dégâts du tout, ça va ouvrir la game. Ok, je pense que ça c'est pas mal du tout. Si la tour elle se dépêche, on va pouvoir activer la tour du roi. Ok, c'est chose faite, c'est parfait. Ok, bon, la game commence plutôt pas mal du tout. Hop, là on va mettre le bouliste. Il va tout tuer assez rapidement. Ok, donc ça sera un Mega Knight. On va essayer d'aller gérer aussi assez vite. Ah, je l'ai loupé. Ok, c'est pas grave. Tac. On va pouvoir partir comme ça. Comme ça. Ça, c'est parfait. Ok, ben finalement, on a loupé le Mega Knight, mais ça a été un mal pour un bien. Là, on va essayer de le tuer assez rapidement aussi. Tac. Voilà, parfait. Et là, ben, c'est la tour qui est prise. Hein. Là, on va essayer de partir ici. Parfait, on va voir le flux. Bon, ben là, j'ai 45 secondes à tenir en défense. Je pense que ben, je vais juste verrouiller et ça va être game. Ok, il part de l'autre côté. On va faire attention quand même. Mais bon, on va quand même un peu plus défendre à gauche. Hop, boule de feu. Voilà, j'attends exactement ça. Hop! Voilà, le but c'est qu'on prenne pas trop cher. Attention au milieu, elle va pouvoir revenir sur ça. On va quand même partir comme ça. On va essayer de vraiment aller finir le game là-dessus. Peut-être qu'il va rester derrière. Et voilà, c'est GG. Parfait. Bon, bah, je pense que c'est la fin de la vidéo. On a fait 5 combats pour 4 victoires. On est